que j'aime. J'aime la soul, j'aime le rock'n'roll et j'aime le reggae. Donc on n'aura pas... Il y aura du mandingue dedans. Ah, mais on n'aura pas un album traditionnel classique style Matamba, ça c'est clair. Non, ça c'est clair. Ce sera Tanticuette. Tanticuette. Marie, et toi, dans quel style on sera? Ce sera quoi justement l'atmosphère de ton nouvel album? Ça serait toujours entre traditionnel et modernité, un peu le rap mandingue, mais plus chanté cette fois-ci en fait. Plus comme le dernier album que j'avais fait, c'était plus vraiment. Moi je suis fier de penser que les gens ils voient que Ami elle fait du rap. C'est vrai, ça c'est mon identité à moi. Et en dehors de ça, Ami c'est une chanteuse aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire, Miss Marie France? Ça raconte quoi pour vous? Moi j'adore. J'aime bien, je trouve que c'est bien, ça donne l'opportunité aux jeunes franco-maliens qui sont ici de connaître leur culture, de connaître leur musique, de connaître leur danse, parce que j'ai été un des Miss Mali. J'ai vu que les Miss, elles dansaient maintenant et elles écoutent les musiques de chez nous. Et moi, je trouve que c'est une très très bonne expérience. C'est vrai, depuis 2006 et maintenant, je vois qu'il y a eu beaucoup vraiment d'amélioration par rapport aux autres années que j'ai participé. Je vois qu'il y a d'autres feelings qui sont arrivés. C'est ça même le but. Et comme on le dit, c'est avec les erreurs qu'on avance dans la vie. En même temps, comme elle vient de dire, Tanti, le fait qu'il y a des chansons africaines que vous avez inculquées dedans et tout, ça donne la fierté de l'Afrique en fait. Et il ne faut pas que ça s'arrête là, que c'est les franco-maliennes avant tout, on est tous aussi des Africains. Je trouve que le Mali, c'était l'un des pays le plus tranquille en Afrique de l'Ouest. Et je ne peux rien dire d'autre que voilà, que la paix revient dans notre pays. Nous, on n'est pas habitués à ça. Le Mali, c'est un pays de solidarité. C'est comme on le dit chez nous, il y a le Tatinga, on ne connaît pas ce truc-là. Chaque fois qu'on entend cette histoire de guerre ou de problèmes au Mali, ça nous fait énormément, mais énormément mal. En tant que Française ici, comme tu nous l'as dit, on voyage beaucoup, on nous pose la question et à chaque fois c'est la même question. On souhaite juste que la paix revienne chez nous.